Yo, aujourd'hui on se retrouve au Canada, à Icar. Allô. Allô. Bah du coup voilà. Drift, ça c'est le propriétaire, bonjour. Allô, bonjour, c'est Francis. Que des gens sympas. Magnifique 330 CI. Fait 240 chevaux je crois à peu près. Qu'est-ce que le manufacturier donne? Je pense que voilà. 220. Puis bah c'est des bonnes machines, le 46, bon châssis. Et puis c'est marrant parce que vos 46 sont moins chers que chez nous. Voilà. Bon, on va faire des tours avec, puis il est très doué. Je vous montrerai, on a déjà montré ça dans une ancienne vidéo, mais c'est vraiment, il est bon, il est bon. Vous allez voir, il gère bien, hein. Vraiment bien. On va essayer. Donc là, t'as des manomètres. Ouais, coup. Ça c'est la pression d'huile. Ouais. Ça c'est la température du liquide de refroidissement. Ouais. Ça c'est la poche du stock. Ok, ouais. Juste un volant et un frein à main. Et des combinés. Ouais, HSD. HSD, ah ouais. Good. C'est bon? Je vais aller mettre du tape. Ouais, ouais, carrément. Tu sais que j'ai exactement la même chose sur la mienne. Ah ouais, c'est bon. Hop, il se décroche la pute. Au fait, c'est quoi ton diff? 338. C'est celui de 330 automatique. Ok. LSD ou soudé? Soudé. Soudé, ok. Ouais. Let's go. Ok, ça va. Je casse. Pas trop vite, mais non. Ah, c'est Fred là. Ah, il conduit bien Fred. Première fois qu'il teste la casse. Et il connaît très très bien la piste là. Il y a des années qu'il roule ici. Sur ma 36? Ouais! Pourtant, la pompe à cerveau direction est morte. Je peux faire 2-3 donuts si tu veux avant pour t'habituer. Ok. Attendez pas ça. Un conducteur, elle pulse beaucoup. Ouais. Thank you.
la fin? Ouais. Il y a des vibreurs, le plus à l'intérieur. Vraiment loin. La caisse, qui est assez intéressant, c'est que tu l'as acheté de Floride, c'est bien ça? Ouais. Donc t'as le compteur en miles. Ouais. C'est assez rigolo. Avec en dessous les kilomètres heure. Ouais, le focus avec ce Canon, wouh! Ouais, c'est pour ça qu'elle est propre comme ça, elle a jamais roulé l'hiver. Ah ouais. Donc, elle a été importée, je crois, en 2006 ou 2007. Elle se conduit bien, j'ai dû un peu m'adapter, c'est normal, puisque j'ai conduit un RB20 avant, donc c'est plus de lag, ouais. Là c'est instant. Je vois pourquoi est-ce qu'en Europe on prend beaucoup de 46 comme châssis, parce que c'est... pas mal différent de 36 au final. Beaucoup. Alors que c'est juste la successrice, enfin. Ils se sont bien démerdés. En 2018, j'avais trop de fitment, genre. Ça frottait sur les ailes et j'avançais. Ouais, là, ça c'est pas tellement bon. Ouais. Depuis, bah, elle élargit, whoop. Même avec du 235, comparé à ma 36, celle-là, elle trace. Ouais. Faudra que je revoie mon setup de suspension dans la 36. Ouais, moi je suis au plumeau à l'arrière. Ouais, voilà. Mais souder le châssis, ça fait une différence aussi. De ce que j'ai compris aussi, avant, toi t'avais une MX-5. Ouais, un Miata. T'as commencé avec ça? 100% stock, 8000 turbo, après j'ai changé le moteur pour 1.8, j'ai mis mon turbo sur le 1.8. Ouais. Puis après je l'ai vendu l'hiver, puis j'ai monté celui-là. Ouais, c'est très différent de ça. Ah, tu m'étonnes. Ouais, c'est beaucoup plus vivant quoi. Ouais. Là, t'as un petit peu de lag dans la direction. Devant, c'est une Mustang, genre elle fait un bruit de malade. C'est les bons gros V8 américains. Et si vous voulez appeler le monde de l'Europe, là, le numéro est ici. Mais je crois que ça va être une longue distance. Ouais, ouais, légèrement. Hein. C'est pas comme ça les d'origine, il est un peu mou. Ouais, je vois ce que tu veux dire. La pire, c'est que j'ai un short shifter chez moi, mais je l'ai jamais installé. Franchement, je suis super content. Je suis super content de pouvoir faire ce voyage au Canada. Ça m'apprend déjà tellement de trucs. C'est dingue. Je crois que les pneus ont chaud, là. Donc, t'aimes bien ma voiture? Oui, beaucoup. Ça va mieux qu'un S13? En toute discrétion, beaucoup. Non, mais la S13, je pense qu'elle était mal setup. Ouais, c'est ça qui arrive. J'aurais dû venir plus tôt. Ouais. Et la setup beaucoup plus. La préparer, ouais.
Ça a fait des belles flamèches, mais il a pas sauté. Mais lui, il est mort, mais l'autre côté, il a pas... Alors, j'ai mis la 3. Ouais, la 3, ça fonctionne pas. J'ai senti l'embrayage patiner, j'ai fait une ah, okay. La 2. Ouais. Ouais, le pneu, il a dérimé. Ah, merci beaucoup. Pas de problème, la prochaine fois que tu reviens au Canada, je peux te la passer, pas de problème. Ah, c'est gentil. La Mustang fait beaucoup de bruit. Nice! Holy shit! Énorme pick-up! J'ai une Relais ou GMC ou un Chevy? J'ai une Relais. Ok. Waouh! Il est énorme! Avec c'est old school roue, en plus! Double roue à l'arrière, ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est vieux, c'est très vieux. Ok. Années 80. Ok. Ok. Alors, ça, juste pour information, c'est la Grand Prix au Canada. Ça, c'est un grand coq. Genre, là, il y a ma main. Ça, c'est juste énorme. Je viens de voir ça aussi. Sur ce, on est extrêmement fatigué. C'était une excellente soirée. Absurde patate à tous. Salut.